Jo. Écoutez, merci, bravo pour votre enthousiasme. Moi, j'ai une question à monsieur Yuyama. Hi. On va le refaire, hein, tout ce que vous venez de faire là à l'instant, vous allez voir. Donc, monsieur Yuyama, vous êtes donc le réalisateur de tous les films Pokémon. Ça, c'est du sacré boulot. Et j'ai entendu dire que donc pour la série et pour les films, vous avez fait des repérages dans plusieurs pays. Est-ce que vous êtes déjà venu faire des repérages en France? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu part de vos impressions sur notre beau pays? いろんな各国へ行ったと思われるんですけど、フランスの印象ってどうですか？フランスというか、パリは4回目なんですけど、一度取材で、映画の取材で、ニースのエズモラというブースのあたり、山のあたりとか、あとモンサンミシェルとかを映画の中で使ったりもしてたので、特にテレビの XY シリーズがフランスをモデルにしてたりして、とてもポケモン的な馴染みがあって、とても美しい風景とか街並みとかがポケモンとすごくポケモンの世界とすごく合うなという印象を持っています。Je pense que la France est vraiment un pays fait pour faire du repérage pour le scénario de Pokémon. J'ai été donc à Nice, à Montpellier, et j'ai vu qu'il y avait, j'ai pris beaucoup de choses, par exemple pour le scénario des séries X et Y. Donc c'est vraiment un pays d'inspiration pour moi. Merci beaucoup. Je voudrais savoir déjà si c'est la première fois qu'elle vient en France, et si c'est le cas, si elle peut nous dire un petit peu ce qu'elle pense de chez nous. フランスに来られたのは今回が初めてだと聞いてるんですけど、フランスの印象というのは、フランスは初めてなんですけど、私の友達がバレリーナで、よくパリには来るんですね。そしてパリはすごくいいとこだよっていう噂をすごい聞いているので、すごい楽しみに、来ました。はい、もう最高です。La première fois que je viens en France, mais j'ai une amie, une très bonne amie à moi, qui est danseuse, et donc elle m'a beaucoup parlé de Paris, de la France, et donc j'avais vraiment envie de venir, et c'est pour ça que je suis ravie d'être ici. Donc sur cette belle réponse, on va passer à une nouvelle étape de ce petit talk show. Eh bien, j'allais avoir la chance, cher public, Toride et vous, comme vous êtes, de poser peut-être une, voire potentiellement deux questions à nos invités ici présents. J'aurais besoin d'une question pour le réalisateur et d'une question pour Rika. Et il faudrait commencer donc par une question pour le réalisateur. Alors, il y a quelqu'un qui va venir récupérer un micro.